Bonjour à toutes, bonjour à toi Manuel. Bonjour Mika, bonjour tout le monde. Alors, nous voilà ici donc sur une croisière de légende. Effectivement, on va l'appeler comme ça. Ça va Une être croisière de légende. le thème de l'interview avec Emmanuel. Donc, je présente Emmanuel Soula. Qui suis-je? Donc, je m'appelle Mickaël Messa, je suis entrepreneur, auteur et conférencier. Et aujourd'hui, en fait, j'ai voulu interviewer Emmanuel, donc voilà, qui est là à ma gauche. Parce que vous êtes auteur, vous êtes entrepreneur, ou vous voulez peut-être le devenir, mais aujourd'hui vous bloquez parce que vous ne savez pas vous vendre, vous bloquez peut-être par rapport à l'écriture de votre livre, peut-être par rapport même au développement de votre business, ou vous souhaitez tout simplement créer votre affaire, une affaire rentable. Donc, Emmanuel, une spécialiste de la légende personnelle, la Absolument. spécialiste de la légende personnelle en France, va vous partager avec vous, va partager avec vous donc ces techniques, ces méthodes. Écoutez réellement jusqu'à la fin parce que c'est tout le long de l'interview et jusqu'à la fin, il y aura de réelles pépites. Donc prenez de quoi noter, débranchez toute source de distraction et on va commencer. Alors Emmanuel, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Emmanuelle Soulard. Moi, j'aide les coachs, les auteurs, les infopreneurs, les gens qui veulent développer leur chiffre d'affaires sur Internet, à trouver leur communauté de fans, à trouver leur premier client, à pérenniser la relation, à créer et à pérenniser la relation qu'ils ont avec les gens, en racontant leur propre histoire, ce qu'on appelle leur légende personnelle. Donc, j'aide les gens à raconter leur histoire en tant qu'auteur, leur histoire en tant qu'entrepreneur et leur histoire de vie. Et c'est donc une approche qui permet de créer un lien de façon immédiate, en quelques mots à peine, avec une audience et d'intriguer et de frapper les mémoires de façon à laisser une trace très très rapidement dès la première exposition, en fait. Voilà. Et donc, à quoi sert, d'accord, la légende personnelle? Et toi, quel est ton parcours vis-à-vis de ça? Alors là, légende personnelle, c'est avant tout un outil. C'est un outil pour ceux qui sont noyés dans la masse d'Internet. Parce qu'effectivement, on peut avoir des produits intéressants, on peut avoir une approche d'expert extrêmement particulière. À l'heure actuelle, il y a souvent des offres pléthoriques et disons tellement de personnes, tellement de concurrents sur Internet qu'on est complètement invisible. Par contre, à partir du moment où on explique sa propre histoire, où on va chercher dans son histoire le pourquoi, pourquoi on est sur telle organisation, pourquoi on est sur tel développement de tel produit, pourquoi on est sur telle prestation de service, à ce moment-là, et qu'on explique bien sûr ce pourquoi aux gens, c'est là où on crée la différence. Parce que grâce à la légende personnelle, on le fait d'une façon qui est marquante, et donc les gens le mémorisent aussitôt. Voilà. Ok. Et donc, quel est ton parcours vis-à-vis de ça? Parce que je sais que tu es auteur. Pour une grosse partie de notre audience qui sont Ouais. auteurs, comme ça, ils vont pouvoir peut-être se reconnaître ou Absolument. voilà, ou pouvoir évoluer vers de meilleurs résultats avec leur livre. Voilà. Alors mon parcours il est très 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 varié en fait. Initialement ma première formation c'était chercheur. J'étais chercheur en sciences et j'ai dû me réorienter pour des raisons purement personnelles. J'ai fait également une formation au niveau bac plus 5 en gestion d'entreprise, gestion de l'information. J'ai fait des boulots vraiment compliqués parce que dans la ville où j'étais pour survivre, j'étais manutentionnaire, je me levais à 4 h du matin pour charrier des fruits et légumes, j'ai fait du télétravail, j'ai fait des travaux vraiment particuliers, jusqu'au moment où je me suis intéressée à développer peut-être une activité sur Internet, etc. Et quand je me suis intéressée à ça, j'ai vu une opportunité, mais je ne savais pas quoi faire en fait. Et je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qui me porte, quoi? Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça faisait une vingtaine d'années que j'avais mis entre parenthèses quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur, qui était l'écriture. J'avais passé 20 ans à apprendre, à passer des diplômes, pour avoir des boulots intéressants, pour avoir des postes à responsabilité, etc. Et au bout de 20 ans, j'avais réussi à rien. Par contre, j'avais toujours cette passion pour l'écriture. Mais comme j'avais passé des diplômes et des diplômes et des diplômes, j'ai eu une approche complètement différente qui était vraiment de me dire, ben, je vais apprendre à écrire. Puisque maintenant, je sais qu'en apprenant, on gagne beaucoup de temps. Je ne dis pas que, il ne faut pas apprendre à écrire, je dis simplement la majorité des gens se lancent dans l'écriture sans apprendre. Donc moi, je me suis lancée dans l'écriture en apprenant, tout simplement. Donc j'ai pris des cours auprès de scénaristes confirmés, j'ai beaucoup travaillé sur des romans, sur des livres de techniques d'écriture. Et comme évidemment j'ai un passé de chercheur, j'ai beaucoup travaillé sur la neurobiologie de la narration, c'est-à-dire quel est l'impact d'une histoire dans le cerveau,
comment écrire une histoire pour qu'elle ait un impact maximum, comment on peut jouer sur les thématiques, comment on peut jouer sur l'inconscient, comment on peut jouer sur les archétypes, etc., etc., sur la sémantique. Il y a énormément de champs de possibilités sur la narration. Et je me suis rendu compte, en fait, d'une chose exceptionnelle que tout le monde a oubliée, c'est que les histoires sont des chevaux de Troie. C'est-à-dire que le cerveau est fait de façon à créer des histoires pour apprendre. Il se crée des histoires pour apprendre. Donc à partir du moment où vous avez une histoire, eh bien vous pouvez l'utiliser pour transférer n'importe quelle information dans le cerveau de la personne à qui vous l'exposez. Donc j'ai travaillé beaucoup là-dessus, sur ce que moi j'appelle la neurobiologie de la narration. Et comme évidemment, je disais, c'est bien beau de dire d'être capable d'écrire des histoires, mais il faut le prouver. Donc je me suis mis à écrire des romans. J'ai écrit une trilogie de romans en 2 ans. Le premier, je l'ai écrit en quelques mois et il a été accepté en 48 heures par la première maison d'édition à qui je l'ai proposé. Et ils sont tous notés à pratiquement à plus de 4 étoiles sur 5 sur la plupart des distributeurs de romans, donc type Amazon, les plateformes en ligne. Et donc, une fois que j'avais réussi à me prouver ça, que simplement, voilà, je suis capable d'écrire une histoire, je suis capable d'écrire une histoire passionnante, je suis capable d'écrire une trilogie qui fait accrocher mes lecteurs. Et maintenant, je sais que je suis capable d'écrire des histoires très particulières, des histoires qui permettent aux gens de marquer l'esprit des personnes et de développer leur activité sur Internet grâce à ça. Voilà, ça, c'est la légende personnelle. Là, donc, elle vous a prouvé en direct comment raconter une histoire convaincante et percutante. Donc, j'espère que vous avez retenu une partie, au moins une partie, si ce n'est pas l'intégralité, et pris des notes sur la structure qu'Emmanuel vous a présentée en quelques minutes seulement. Ouais. Et la fin de l'histoire, en fait, pour vraiment la finaliser, c'est pas seulement que je suis écrivain, c'est que du coup, j'ai travaillé ma légende personnelle et j'ai commencé, comme je m'intéressais à l'infopreneuriat, au fait de développer son chiffre d'affaires sur Internet. Mais je suis allée sur Internet et avec ma simple histoire, ma légende personnelle, avec un pitch de, il faisait 2-3 phrases, je crois, j'ai convaincu un certain nombre de partenaires, dont Michael et ça, évidemment, de travailler avec moi. On s'est mis ensemble à travailler sur mon premier webinaire. Et donc, dans mon premier webinaire, j'ai fait 30 000 euros de chiffre d'affaires en à peine 8 jours. Voilà où peut nous amener notre propre histoire. Donc, que vous soyez auteur ou que vous souhaitez entreprendre à partir de votre domicile sur Internet, Emmanuel l'a fait en fait elle-même. Effectivement, à une semaine, c'est 30 000 euros de chiffre d'affaires alors qu'elle n'y connaissait rien. Rien du tout. Voilà. C'est rien technique. Vous vous rappelez quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Moi, j'avais passé la porte, j'ai vu de la lumière, je me dis, je peux rentrer, j'ai un roman. Voilà quoi. Je suis auteur. Effectivement, elle ne connaissait rien. Et pourtant, elle est arrivée en fait à pousser des portes facilement, mais à les pousser. Et en vous laissant une curiosité qui permet d'aller encore plus loin et d'en savoir plus. Et que vous soyez auteur, que vous voulez attiser l'attention de vos lecteurs, que vous soyez entrepreneur sur Internet et que vous souhaitez développer votre business, développer votre revenu, votre activité, la légende personnelle permet donc de faire ça. Okay. Et c'est, je ne vais pas dire que c'est facile, mais avec la bonne structure, c'est plus simple que si vous n'avez aucune structure. En fait, là, c'est un point très important que tu dis, parce que quand on est auteur, qu'on a l'habitude d'écrire, on a l'habitude de mettre son émotionnel sur le papier, donc de s'épancher, etc., etc. Par contre, c'est difficile d'en tirer une structure analytique, c'est-à-dire quelque chose qui permettra de garder l'émotionnel sur une petite, un petit phrasé, sur une phrase ou deux, ou sur un petit texte de, mettons, 600 mots, par exemple. À l'inverse, il y a certaines personnes qui sont très analytiques, qui vont donc raconter exactement ce qu'ils font. Par contre, ils auront des difficultés à exprimer l'émotionnel, donc à se mettre en connexion avec les gens qui ont besoin d'eux, en fait. Et la légende personnelle, c'est vraiment l'interface de ça. On se met en connexion avec les gens en leur expliquant ce qu'on peut leur apporter, ce qui leur est nécessaire. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de faire ça, en plus, en quelques phrases à peine. C'est vraiment un outil passe-partout. Moi, je l'ai utilisé donc pour convaincre des partenaires et pour commencer à démarrer ma légende sur Internet. Et vous, en tant qu'auteur, vous pouvez l'utiliser dans votre image d'auteur, en tant qu'entrepreneur, dans l'image de votre entreprise, dans votre propre image, etc. Dans tous les outils dont vous avez besoin pour que le public soit informé de qui vous êtes, comment vous le faites, quelle est votre particularité et ce que vous avez à leur apporter.
et tout ça en à peine quelques phrases. Voilà. Et donc, Manu, quelles sont les erreurs types que font les entrepreneurs qui démarrent une activité ou même les auteurs qui veulent développer leur vente de livres? Alors, l'erreur type en fait des auteurs, souvent, c'est « je n'ose pas me mettre en avant ». J'ai écrit ce roman, mais voilà, il a été publié, il va bien gentiment partir dans une maison d'édition, il sera en ligne, tout le monde va le voir et c'est tranquille. En fait, ça se passe jamais comme ça. En tant qu'auteur, il faut énormément travailler le marketing, je pense que tu l'expliques très couramment à tes auteurs. Il faut se mettre en avant parce que ce qu'on vend, en fait, les gens n'achètent généralement pas un livre seulement pour la couverture ou la quatrième de couverture. Les gens achètent un livre parce que c'est un livre d'un auteur qu'ils ont déjà lu. Donc, ils connaissent le travail, ils sont intéressés par tout le travail d'une personne. Donc, généralement, c'est une connexion de personne à personne. Et quand on est entrepreneur, c'est un peu la même chose. Quand on arrive sur la place de marché, ben, on est en concurrence, mettons qu'on soit un plombier, ben, on est en concurrence avec 10 000 autres plombiers et personne ne va voir la différence. Par contre, un plombier qui gagne bien sa vie, c'est un plombier qui connaît bien ses clients, connaît bien son travail, a un excellent matériel, est disponible. Et tout ça, ce sont des informations que l'on peut mettre dans la légende personnelle. Parce que la personne qui incarne tout ça, ben en fait, elle a un parcours de vie qui a fait qu'elle elle est attentive à ces détails-là. Donc, c'est celle qui amènera le meilleur service, c'est celle qui subviendra le mieux aux besoins de la personne. Et tout ça, on peut le dire sur la légende personnelle. Et donc, merci pour avoir répondu à toutes ces nombreuses questions. Si tu avais un mot à rajouter et à partager avec nos contacts, avec notre audience. Sur la légende personnelle, en fait, moi, je l'ai conçue comme un outil d'aide, en fait, de développement commercial, vraiment. C'est-à-dire un outil qui permet aux gens de trouver leur fan club, le créer et surtout le développer sur le long terme. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ça peut se faire en quelques minutes à partir du moment où vous exposez votre histoire à la personne. C'est également un outil qui permet, en fait, qui travaille énormément de déclencheurs émotionnels différents. On a au moins 6 étapes différentes avec 6 passages émotionnels différents de la personne qui va être exposée à l'histoire. Donc ça, c'est un outil extrêmement travaillé et structuré. Et en même temps, pour en arriver là, généralement, la majorité de mes clients font un vrai travail de développement personnel par rapport à ça. Parce qu'on ne sait jamais dans notre activité ce qui nous a porté vers cette activité. Et ce pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi vous êtes porté par ça? Quelle est la force au fond de vous qui vous amène à faire ça? Généralement, ce petit pourquoi-là, qui peut paraître complètement anodin, mais qui est finalement la fondation même de votre vie, de votre existence et de votre bonheur, elle réside également dans votre légende personnelle. Donc en fait, la légende personnelle, pour résumer, c'est un outil à la fois de connaissance de soi, mais également de contact exceptionnel avec votre marché et de démarrage de votre activité. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir vraiment exploser après. Voilà. Okay. Donc, eh bien, écoute, encore merci à toi, Emmanuel. Merci beaucoup, Mickaël. Effectivement, j'ai tenu à appeler cette interview, cet entretien avec Emmanuel, la croisière de votre légende. Pourquoi? Parce que nous sommes au bord d'un gros paquebot, SMC pour ne pas citer la marque, l'intitulé, et nous sommes en croisière. Et effectivement, vivez votre propre légende au cours de la croisière de votre vie. Je pense que voilà. C'est le mot de la fin, il est très beau. Je voulais terminer avec ça. Merci à vous, merci à toi. Merci à tous, merci beaucoup, Mickaël. À bientôt. Bisous. Au revoir. Ciao.